Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une morning routine et un vlog en même temps. J'espère que la vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En général, je me réveille vers 10-11 heures, mais parfois à midi. Mais là, cette fois-ci, il était 10 heures et quelques. Je commence tout de suite par m'étirer et je prends un peu de temps à me réveiller dans mon lit. Après, j'allume mes LED. C'est très rare que j'allume mes LED, mais j'allume mes LED. Après, je prends mon téléphone, je regarde mes réseaux sociaux, surtout Instagram. Après, je fais mes flammes avec mes amis sur Snapchat. Après, je regarde TikTok. Parfois, ça peut prendre une heure sur TikTok parce que je me perds un peu sur les réseaux. Et après, je m'installe correctement et je continue à regarder TikTok. Je prends un peu beaucoup de temps. Normalement, je devrais pas, mais bon, voilà. Là, j'ai décidé pour la première fois depuis plusieurs jours de prendre ma tablette. J'ai décidé de lire un livre. Alors que d'habitude, je ne lis pas de livre sur la Kindle. Et je vais lire un livre qui s'appelle Meurtre, mode d'emploi. Ça parle de quelqu'un qui est mort, voilà. Et du coup, je commence à lire pendant plus de 30 minutes. Ce que je fais généralement jamais. Voilà, je le fais jamais le matin, quasiment jamais. Et j'écoute aussi de la musique en même temps. Après là, ce que je fais, c'est que j'ouvre mes volets pour avoir de la lumière. Et j'éteins mes LED aussi par la même occasion. Ensuite, je décide de faire mon lit. Je fais pas tout le temps mon lit, mais j'essaie de faire le plus régulièrement possible et bien mon lit. Voilà. Ensuite, quand j'ai fini de faire mon lit, je vais à la salle de bain. Je vais d'abord aux toilettes, après je prends une douche. Et aussi, je bois de l'eau aussi. Là, j'ai décidé de brosser mes dents. Voilà, je brosse vite fait mes dents. J'ai pas tout montré, mais je brosse mes dents environ 2-3 minutes. Voilà. Après, j'utilise la crème Epidio pour mes boutons et mes points noirs, que je mets que sur les parties intéressées de mon visage. Puis ensuite, je mets sur mon torse parce que j'ai beaucoup de boutons et de taches. Il y a aussi beaucoup de taches sur mes épaules. Du coup, j'en mets aussi sur mes épaules, voilà, parce que j'en ai besoin. Voilà, j'ai vraiment besoin, mais ça part pas vraiment parce que je mets pas tous les jours. Puis après, je mets Cetaphil, qui est une crème hydratante, mais qui fait crème solaire pour les points noirs. C'est bien pour que les points noirs ne s'incrustent pas à l'intérieur de la peau. Au moins, ça part un peu plus vite. Voilà, après, je mets ma crème hydratante normale de chez Ducré. Mais oui, pourquoi elle est coupée? Parce que j'ai voulu récupérer la fin pour éviter de pas gaspiller. Voilà, tout simplement. J'en mets une tonne, comme d'hab. Et ensuite, j'ai décidé de montrer mes produits pour cheveux. J'ai Keras Soin. C'est argan et kératine. Karité, pardon. Pareil pour le démêlant, c'est la même marque, c'est bio. Puis ensuite, je prends du savon pour le visage de chez Effaclar de La Roche-Posay. Puis après, je prends du Sanex en savon pour le corps. Et puis ensuite, j'utilise un gommage au charbon de chez Garnier. Puis après, j'ai décidé de m'habiller. J'ai mis un t-shirt tout simple et lisse noir avec mon cargo de chez Jennifer, taille 32, et le t-shirt taille S. Voilà, j'ai un cargo tout simple. Hein. Là, rien de plus compliqué. Ensuite, j'ai décidé de mettre un pull parce qu'il faisait froid dehors. Donc, j'ai décidé d'aller mettre un pull de chez Hollister, bleu. Après, j'ai décidé de faire la vaisselle, du coup, voilà, parce que j'avais pas fait la vaisselle la veille, j'étais un peu fatiguée. Du coup, j'ai fait la vaisselle, j'ai lavé les assiettes, les casseroles et tout, et voilà. Puis ensuite, j'ai décidé de laver les surfaces, oui, parce que il faut laver. Donc j'ai lavé l'évier, j'ai lavé la plaque de cuisson, mais je ne vous ai pas vraiment montré, mais j'ai lavé la plaque de cuisson qui était vraiment dans un sale état. Ensuite, j'avais pas mangé, donc j'ai grignoté pour l'apéritif, mais en même temps pour le petit déjeuner. Il était déjà à 11h30, donc quand j'ai fait la vidéo, pardon. J'ai pris des amandes grillées, voilà, que j'ai acheté à Lidl. Après, j'ai mangé aussi du saucisson, que j'ai pas filmé. Et là, je travaillais, je suis allée sur mes emails et j'ai aussi me suis inscrite dans plusieurs écoles, dans deux écoles différentes de cinéma. Et ensuite, j'ai regardé mes emails, j'ai fait les dossiers, puis j'ai écouté de la musique aussi. J'ai écouté de la musique, de la K-pop, comme d'habitude, de la K-pop. Et ensuite, quand j'ai fini de faire ça, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait à manger. Du coup, j'ai mangé des lasagnes aux épinards avec des saucisses et des nuggets.
Puis j'allais au parc pour me décoller les jambes et aussi j'avais cours de danse au parc. Du coup, j'ai fait mes cours de danse qui est complètement gratuit. Puis là, je n'ai pas repris parce que j'étais fatiguée. Du coup, j'ai juste pris une douche et je suis restée devant la télé à faire un peu de montage de mon ancienne vidéo. Donc voilà, j'ai rien fait de particulier. Après, je vais me coucher. J'espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!